pour gestion en pandémie hein, dans le pays d'Haïti et du on allait et on parlait depuis mars où j'étais et parler mentionner ça là gagné 2.24 milliards de gourdes et puis 34.2 millions de dollars américains qui ont déjà décaissé pour gestion maladie ça ça qui baille un total de 56 millions de dollars et qui a réparti comme ça à MSPP, FAES, TPTC, SNGRS et puis Police nationale d'Haïti. Et comment l'argent ça, d'après vous-même, est-ce que, Mavimando, comment l'argent ça, 56 millions ça, est-ce que personnellement vous gagnez l'impression que l'argent est bien, hein, est bien distribué, est bien géré pendant le COVID-19 là? Question directe, réponse à pas direct. Premièrement, et petite précision, côté mien là en attendant, et m'a parlé du ministère des Affaires sociales comme directeur général, papier l'agent COVID-19. Okay. C'est la première chose. Okay. La deuxième chose, c'est que l'agent qui débloquait, hein, information, je suis bien placé quand même pour le savoir, en tant que porte-parole pouvoir en place à EPHTK, mais là, on a parlé au nom du pouvoir en place, bien placé pour me connaître que pour gestion rationnelle qui commence à être faite de l'agent ça, en attendant que nous gagnions rapport que toute population doit gagner sur question ça. Actuellement là, où il y a plusieurs centres qui équipés cap gérer question mon qui est COVID-19 yo. Ça coûte Delma 2. Delma 2, on a les pilotement Delma 2. Nous avons l'équipement déjà. Oui, très bien. Il y a l'hôpital Saint-Luc. Hôpital Saint-Luc dans Douya. Il y a Canaan, centre sportif Cafou. OK. Il y a l'autre qui a venu encore. T'as qu'on a Lagonave, Nantigouave, Nanéogan, et puis qu'il y a son gestion tout. Ok. Que nous pas d'oublier. Ok. Même sans tout que, pour nous, il y a élégance pour nous faire. Pour nous saluer, parce qu'il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle, de sérieux. Gros travail qu'a fait dans direction sanitaire l'Ouest, qui vient de s'appeler le docteur Martial Bénèche. Ok. Gros travail, travail professionnel, conséquent, et qui passe jamais fatigué, et sourire les directeurs là, quel que soit l'heure, quel que soit citoyen, ou adjoint, il y a plusieurs monde qui est capable de témoigner de ça. Ok, docteur, merci. Alors, Erivo, bon, oui. Il y a plusieurs chapeaux. Pas de problème. Il y a une question 18 millions de dollars d'équipement qui acheté. En pile, il y a, bon, bien entendu, c'est pas information, mais il y a un petit ou nous, que l'équipement ça y a pas ta vraiment, et à joindre. Et tout équipement yo pas ta joindre et centre qui t'a doit recevoir yo des différents départements que pays a gagné. Est-ce que nous gagnons d'abord nous t'ai fait nous gagne quantité matériel qui rentre yo et quantité nous baille chaque centre que ou sont cité là yo. Quantité yo m'a gagne chiffre là sous yeux là. Donc honnête pour me dire ça. OK. Et ça probablement les que demande des chiffres exacts yo. Non, l'autre occasion, et Josué Lexidon. Ouais, on va parler sur ça encore. Absolument, mon frère. Mais ça, comme sûr, il y a une disposition rapide qui prend pour doter son saillot. D'accord? Plusieurs, dans plusieurs départements, et la côté épicentre, crise sanitaire, ça y est, dans le pays d'Haïti, qui c'est dans la région métropolitaine, dans l'Ouest. D'accord? Pour que vous capable de doter d'équipement, pour côté que vous gagnez pour bailler la vie à monde qui est en difficulté, qui est affecté et infecté par COVID-19 là. Et là encore, c'est un travail et qui méritait, c'est une initiative qui méritait saluer, parce que tu as gagné une anticipation qui fait sous les crises là que nous vivons là. C'est-à-dire, le gouvernement par étape tente que la situation a dégénéré, que nous vivons à 2226 cas, dans le moment que nous avons parlé là, et 47 personnes qui mourent, et on a quand même chiffré des cas beaucoup plus grave en matière de mortalité. Parce que nous avons pas de qu'on est, Josué, et profiter de l'espace qu'on offre nous, qu'on permette nous de gagner pour nous dire ça. Les gens qui gagnent le corona, pas mourir de corona nécessairement. Okay. Il y a plusieurs explications, tant que médecin, nous avons
donc chronique nous gagne du lundi au vendredi. Mais m'a dit mon yo en dehors de même si gagne monde lorsque on gagne un terrain favorable pour ça qui favorise des facteurs qui favorise on est capable d'immortalité à peu si monde en souffre de comorbidité et comorbidité ça relève underlying conditions de chronicodil de tension sucre et pathologie cardio-vasculaire, il y a favorisé, même encore, il y a une étude qui fait qui montre que ces gens ont souffert de diabète de type 1 qui est différent de type 2, nous ne pouvons pas rentrer dans ça. Mais même là encore, même si ils ont gagné et pathologie, ça, ils n'ont pas condamné pour mourir s'ils ont infecté. C'est pas paniquer, c'est prendre disposition pour aller côté yo et faire attention. Donc, on a une gestion, etc. Et puis, qu'on y a là, il y a bon soin que qu'on méritait. Et dans 95% des cas, dans la statistique que nous gagnons là, nous avons récupéré. Et m'a remetté accent encore. Les vieilles recettes de grand-mère, si fait yo bien dosé, et bien théo, bah, bon coup de main. Ok, et bon, ok, c'est sûr que je suis très content de toucher à ce ça. Qui ça qui empêche que le gouvernement lui te fait appel à des médecins fait nous yo docteur traditionnel yo et pour te porter coup de main à que pays ya dans cadre de gestion maladie ça même gens ça fait dans l'autre pays Madagascar en particulier. Eh bien on va y répondre en partie ouais que président Jovenel Moïse a gagné une vidéoconférence avec homologue lui et monsieur Radjolina le président malgache sous et vertus bien fait et COVID organique là, qui fait à base de amoise, donc vous capable de connaître, eh bien, c'est quand même un signal très clair que le chef d'État a lancé pour montrer que en aucun cas, on n'est pas capable de négliger et vertu et plantes et que nous gagnons, que nous disposons de haut. Maintenant, c'est pas capable de rester pour le faire de manière en veux-tu, en voilà, parce qu'on est capable de présenter ont certaine toxicité, même j'entends qu'on est, là où t'es parlé de, et m'a capable de dire bien fait que hydroxychloroquine n'y a rien, ou jeune des mondes qui tombe vers les hydroxychloroquine, t'as qu'on coca cool, qu'on va les graines maïs. Et là, ça lui fait plus de dégâts que, et résout le problème, non. Maintenant, si, soyons bien dosés, avec des mondes qui, et une formation pour ça, ou mettre sûr que dans pile monde qui a coûté, d'ailleurs, ce côté dit tout, dans mise en contexte, bien avant au tout début de l'émission, on va se débuter Pierre Martin tout avec Isaïe qui dit ça, on va te venir en chérie sous question ça. Il y a plusieurs monde qui l'a pour témoigner pour dire que ils ont joint résultat avec utilisation feuille Théo. Cependant, pour répondre concrètement à la question là, ils gagnaient une commission scientifique qui là pour travailler question ça, lit de bon temps pour yo même tout yo chita avec ça, les médecins feuillot, pour y'a ouais, comment y'a capable d'explorer davantage piste thérapeutique ça, pour capable adresser les crises COVID-19 là. Ok. Ok. En tout cas, et nous bien contents, vous êtes directeur et général du ministère des Affaires Sociales. Parmi les mesures que le gouvernement prend pour empêcher la propagation maladie, il y a une question de confinement. Confinement, dans bon terme, c'est qui c'est rester la caille. Lundi, un terme créole, rester la caille. Yo, si on n'a pas besoin de bagaille, trois bagailles, d'ailleurs, rester en dans la caille. Et parallèlement, nous pas ouais gagner un rien qui fait pour ça c'est l'organe qui est capable de rentrer dedans. Gagne ti moun yo qui dans la rue hein, qui c'est moun tout qui capable prendre maladie même Jacques tout moun. Mesure de confinement ça, est-ce qu'elle concerne yo même tout? Sinon, qui mesure qui prend pour retirer yo dans la rue pour permettre que eh ben yo pas exposé à maladie hein? Trois éléments de réponse très rapidement. Regardez pour ouais et dans les pays du Nord. Par exemple, en Europe, après que tu aies gagné une grosse vague coronavirus qui submergeait vieux continent, avec des pays qui sont très affectés, tels que Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, avec Russie, eh bien, ça qui vient arriver. Vient gagner une décrue, nombre de cas, nombre de patients qui admettent en soins intensifs a diminué au fil des jours. Et c'est ça qui fait que pratiquement tout pays, ça y est, entré en phase de déconfinement. De la Suède à la Lettonie, de la France à la Russie, de l'Espagne
à l'Angleterre, bon déconfinement, et même en Italie, bon déconfinement progressif, pratiquement, les bars, les restaurants, les parcs, l'école, tout ça a recommencé à fonctionner, avec toute précaution que vous devez continuer pour éviter que par une seconde vague meurtrière, qui est capable de meurtrière encore Josué, donc vous savez arrivé en 1918, avec la fameuse grippe espagnole, qui était à peu près entre 50 à 100 millions de morts. Et plus mon David mourit, lorsque première vague là t'est passée, et puis une sorte de relâchement, donc laxisme, côté que mon yo baissé la garde, dans mesure de prévention yo, barrière yo, et puis deuxième vague là, vine porter un paquet de mon aller. Là, c'est une façon pour me docteur, faire vigilance en de nuit. Maintenant, deuxième élément de réponse, pendant que en Europe, et même aux États-Unis, malgré que franchi la barre des 105 000 morts chez nos voisins américains, mais pendant que a entré dans la dynamique de déconfinement, on va perdre après que un petit peu plus au sud du continent américain, au Brésil, au Chili, au Pérou et la Caïno en Haïti, en République dominicaine, eh bien c'est le ça et on n'est pas dit n'a avancé vers pic pandémie et il va falloir encore un peu de temps avant que nous atteignions pic là pour que on décrue si fait la Caïno, mais la privée de toute façon. Mais entre-temps pas de précaution. Troisième élément de réponse, vous touchez là une question extrêmement sensible. Et vous montez hypocrite pour ignorer. Parce que si vous avez les gens qui sont en situation vulnérable, qui vivent dans extrême précarité, pas seulement les enfants des rues, mais des gens qui sont obligés constamment dans la rue à chercher la vie, c'est un problème assez complexe d'ailleurs. Nous expliquons ça que nous avons état, nous y là. C'est les crises. Et biséculaire qui a ravagé pays ça dans l'orbeille, dans le coup d'état, dans Chirépit, manque d'unité entre frères et sœurs haïtiens qui la cause ça. C'est pour un bagage qui daté de sous mandat président Jovenel, Matéli, Préval, président Aristide et autres, mais son bagage que qui là qui chronique la caïnon et nous supposé adresser, n'en respecter que jouet là. Maintenant, oui, pour que gagne des dispositions spécial qui prend en sens ça pour comment yo ta retiré adresser question hein, parce que moun sa ou sot parler de yo si moun sa yo c'est une catégorie qui pi exposé qui pi vulnérable à infection à coronavirus ça nous pas capable de fermer les yeux nous sous problématique ça. Donc c'est ou dit yo mais ou c'est directeur ministère là ou gagne un ministre dit. Est-ce que gagne nous avons travaillé sur des mesures concrètes pour retirer dans la rue pendant et bon il y a pas dans la rue non comme nous là déjà pour ta protéger contre la pandémie là actuellement là est-ce qu'on a travaillé sur un plan comme ça? Merci de poser la question. Oui, il y a réflexion qui a fait tout ça, mais concrètement là sur mandé qui s'allier pas capable d'où parce que pas capable mentir. Cependant, on connaît que gagner de plus en plus d'enfants en difficulté qui n'ont centre d'accueil et Delma 3 avec du côté de Carrefour. Il y a des dispositions qui prend dans le ministère des Affaires sociales pour comment ils sont capables de venir en accompagnement et dispositions qui méritent renforcer. Et en principe, le ministre qui est actuellement avec le secrétaire d'État Emmanuel Cantat, que vous pouvez saluer à l'instant. Moi-même, comme directeur général, avec tout cadre qui gagne dans le ministère, les directeurs, les chefs de service, le personnel, de concert avec l'administration, moi, il joue, faut que gagne concrètement, 1, 2, 3, 4, des dispositions qui prennent pour comment nous capables d'éviter que pas gagnons hécatombe. Non-mitants et population vulnérable ça. En tout cas, on parle de Santé Delma 3 qui était m'rappelle le DG moi t'ai fait une visite l'autre bois situation moun sa et ti moun sa yo vraiment pas bon et yo pas gagne rien yo gagne seulement zofè a pour yo dormir sous lit et ni un état d'insalubrité vraiment atroce et alors énorme et directeur et sigon c'est pas gon bagage qui fait pour yo m'garantou et yo même yo pas capable survivre voir pour ta mettre sous yo encore. Il y a plusieurs visites que nous fait là. Ministre qui passe yo, il faut donner à César ce qui est à César que certains efforts. Yo fait tout pour comment parce que bagage là c'est plus grave que ça. Parce que j'ai des problèmes au niveau. C'est le cas plus grave de mourir déjà. Si on est plus grave que ça, moi-même, personnellement, deuxième, non, je t'ai mouru seulement.
faut que mon net pour me dire ça. Il est capital. Parce que le problème est beaucoup plus complexe. C'est une question budgétaire. Nous gagnons tout, pour nous dire. Des organisations qui t'ont accompagné, moi-même, docteur Livo, personnellement, pour capable porter accompagnement pour tout le monde qui est dans le centre d'accueil d'Elma 3, même conscient que ça ne suffit pas. Okay. Il doit gagner, sur le plan budgétaire, il y a un effort supplémentaire et consistant qui fait Josué pour capable véritablement et bail Timon Sayo accompagnement, encadrement, soin et que vous méritez. Parce que c'est pas vrai, la guerre là pour y approuver l'âme grosse d'eau. C'est pas la guerre là, non. C'est mettez-vous là, mais pour bayo tout accompagnement que vous méritez et permettre tout que à l'école tout pour capable petit de même pas vivre. Même réalité, même ok, dernière question sur question Covid là et docteur Erivo. Gè question 3000 goud là, question assistance sociale là. Par qui méthode nous procéder pour nous sélectionner couche de, qui de, plus défavorisée, moun qui doit joindre l'agent ça. Par qui méthode et combien moun qui gètan joindre 3000 goud ça? La question d'actualité est pertinente, Josué. On nous dit que même si on a un avec un pilote qui applaudit l'initiative, qui fait partie de mesures d'accompagnement social, nous sommes parlons de là, avec accompagnement compatriotes, nous, ouvriers, ouvrières, cap travail, n'a pas qu'industriel, et qui est côté de 318 millions de gouttes qui décaissent, et qu'en pile, et oui, pour accompagner eux, nous dit bravo à l'administration Méjutlan. Et maintenant, lorsque le président prend décision pour capable permettre que gagner 3072 gouttes, qu'elle joigne 1 500 000 compatriotes nous qui vivent dans extrême précarité, là encore, c'est une initiative que tout le monde qui a suivi, retirer toutes les motivations politiciennes, c'est saluer, c'est applaudir. Dans le moment où on a parlé là, à ma connaissance, il y a avancé des 100 000 compatriotes qui recevront. D'accord? Et 3072 gouttes là via mon cash. Ok. Et bien placé tout pour me dire que risque continuer à arriver dans le palais national, risque continuer à arriver dans le ministère affaires sociales, ok? Pour que l'autre compatriote qui bénéficie de ti accompagnement ça. Ok. Ou dit liste, et docteur Rivo, liste. Non, liste là qui s'en demande moun yo? Eh bien, vous m'avez pour mon nom, et non, li, prénom, li. D'accord? Et qui commune, qui zone que lié. Et puis, il faut que mon nom en mesure pour identifier Josué Rectida. Parce qu'on pas qu'à prendre un monde, il gombaille pour éviter. Sous passement de mon nom, identifier mon frère, avec un numéro d'identification, NIF SIN, NIF ou SIN, SIN. Eh bien, on va tomber dans un piège, gagner tout, par exemple, numéro de téléphone mon nom, parce qu'il faut que mon nom, dans mon cas, pour joindre ni, dans qui département, dans qui commune, dans qui section communale, dans qui localité, par exemple. Si par exemple, ou pas faire comme ça, qui piège va pas tomber là-dedans? Va pas tomber dans piège côté que, y a un grand monde, d'accord? Multiplier signe, là, dans mon cas, et puis il obtient plusieurs de ces petits et 3000 gouttes, 3072. C'est mais, ça. Mais dans un cas tout, il y a plusieurs familles. Il y a chaque monde gonsine dans le cas même cas là. Oui, c'est vrai. Maintenant, ça, c'est extrêmement vrai. C'est une raison qui fait tout autant que nous variés et dans plusieurs, dans tout département, dans des sections communales. Ma bon exemple, si par exemple, il gagne des mondes et Roche-Plate, dans Trou du Nord, Roucou, Garcin, Trou du Nord qui a trois sections communales. Si par exemple vous prenez un monde dans section communale et en Safoleur, ou dans section communale Marouge, et dans le Nord-Ouest, ou pour un monde dans section communale Mardi Gras, ou pour un monde dans section communale Aquin, côté où les Morissons, on prend des exemples comme ça qui me viennent à l'esprit. Dans section communale Trudeau, et Tomazo, eh bien, ou multiplier ou varier. Ou près des compatriotes qui n'ont cité Soleil, qui n'ont la Saline, qui n'ont Village de Dieu, qui n'ont Martis, qui n'ont Carrefour, qui est Darbonne,
dans la coulée organe qui dans fond droit et dans mode à chandelle dans graissier tout multiplié d'accord bénéficiaire yo en fonction de département de commune de section communale de localité à vivre. OK. Donc si un monde dans place et sinon li ta bay nifli li pas problème par coup li ta gagne yon et comment bah tu bah ça roule encore et il gagne un numéro d'identification c'est pas il pas obligé sin là et bon il a déjà moi sorti dans tête moi il a gagné un nif il pas besoin gagner un sin n'a prend quand même à nous honnête s'il gagne sin dans les mieux mais même gagne monde qui t'ai voyé un nif qui recevra d'accord OK mais okay. Sin entre guillemets c'est ADN ADN citoyen. OK. Sinon, c'est ADN citoyen, ADN administratif citoyen. D'accord? OK. Ça veut dire que on capable joindre une multitude de monde, on piège encore. Mhm. On vient des monde, on fait expérience pas parfois. On mandé nifio. Et puis nif moun nan pas valide. OK. Et puis qu'on y a là Livine fait que aïe et c'est là je pas connais si minute là fini. Ou ca retourner nous appel là et sénateur Erivo et pour capable fini OK et en tout cas ça fait se comprendre. Ah oui. On a dit deux hommes mouillés la pluie. qui plus en difficulté. Ouais, on a allé. On a allé là, oui. Donc, où tu nous là, et sinon, alors, sinon, t'as plus important que. Oui, c'est important parce que c'est ADN. OK. Administratif citoyen. OK. Mais qui est-ce là dans vous? Est-ce que c'est dernier ou bien premier? N'importe qui. Et sinon, pas oublier que mon moratoire. Sur toute question ça y est, d'accord, que ce soit ancien ou bien actuellement, pas de souci. Ok, alors mon débli, ah. C'était matricule fiscale. Oui. Pas de souci. Ouais. Et même NIFLA, et sinon, pardon, la PIE, parce que m'explique que nous avons fait expérience ça, qu'il y a des trois camarades qui disent, fais en sorte que vous voyez, on dit avec NIF Mouna, et puis c'est gado, et dans l'histoire, où il y a 50 moun, il y a même une vingtaine. Que ni matricule fiscale là pas bon. OK. Ça qui vient altérer tout dossier. En tout cas, pour nous finir et docteur Rivon, on n'a pas quitter entretien ça pour pas parler de question 7 février 2021 ou 7 février 2022. Quand bon, on va me positionner. Bon, m'a dit un bagage clair rapidement. Et c'est ça où les téléprix qui croyaient prendre. Parce que pour qui ça? Et si le président Jovenel Moïse il est entré en fonction, il est installé le 7 février 2017. Et on se plan addition à bord que madame a fini le 7 février 2022. Ouais, maintenant, ou même comme journaliste, on va pas dire que ça aurait été trop simple pour nous conclure le constat. Et ma conseil de lui, maintenant, l'entrée à VEM dans le pouvoir, ma pas dire que, eh bien, monsieur Yo, non. Mandat président Jocelyn Brivert qui était élu dans les conditions que l'on sait de manière indirecte au Parlement haïtien. Alors, 134, d'accord. Yo, c'est gagné pour que le président Brivert ait fait élection 90 jours après. Lui, pas seul. Ok. S'il te fait élection, président Jovenel Monté, par exemple, en mai ou en juin, mandat président Jovenel Monté s'est commencé 7 février 2016. Ok. Il a perdu quelques mois. Ok. Alors. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Brivert n'est que complet, yo. Ils sont tellement friands de cette parenthèse démocratique et des transitions. Ils adorent ça, je ne sais trop pourquoi. Et ils sont tellement friands de ça. Le président Brivert a passé un an, d'accord, non, et pays, qui vit l'élection, vient après, ils ont énième tentative, plusieurs tentatives, et défaite, élection président Jovenel, finalement, il fait. En novembre 2016. Et le président a été installé le 7 février 2017. Okay. Ça veut dire quoi? Quand on brandit l'article, 134, le fameux article
134.2 Ah oui, on permet que les populations entendent ça, le dit, on l'île pour vous pendant un coup. L'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d'octobre de la 5e année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Alors, on va commenter là avec nous, et sénateur Erivo. Il y a un monde capable de reprocher docteur Erivo de toute bagaille de salvelé. Mais il n'y a pas jamais qu'à dire, aucun monde, même quand t'as sou ou pas qu'à dire docteur Erivo, pas qu'on lit. Et les lille pas comprendre rien dans sa li. Si son bagay, si go bagay yo kaba ou docteur Rivo, c'est savoir. On aide population en commenter article ça. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Et gloire par à nous. Oui. Et avec nous même qui fait pour l'école. Ouais, ouais. C'est très important, Josué. Merci. Très important, très important. Maintenant, de deux choses l'une. Soit moun qui bandit article ça. Yo gen du mal à comprendre ça qui dit là-dedans. Soit yo de mauvaise foi, car il est très clair. Premier parti d'article 34.2, quand le président élu a entré en fonction le 7 février suivant la date de son élection, c'est phrase ça qui concernait le président Jovenel Moïse, qui a entré en fonction le 7 février 2017. Qui vient au mandat, qui vient au mandat de 5 ans, qui donc mandat l'a fini 7 février 2022. Mais deuxième partie, le président va gagner pour la dedans. On va pas dire comment. Puisque il dit, au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement. Met accent sur ça. Après la validation. Immédiatement après la validation du scrutin. Et puis, mandat le sens est commencé le 7 février de l'année de l'élection. Le président Jovenel va concerner, non? Ok, Kounia, qui est-ce qui a l'élection présidentielle à la tête? Dans qui année? Élection du président Jovenel Moïse, là, il était fait dans qui année? En 2016, mon frère. Ok, 2016. Mais attention, lorsque le fait là, le président n'est pas entré immédiatement après la validation. Non, mais le législateur n'a pas l'interprété ça. On y a l'été doué. L'été doué, sénateur Erivo. L'été doué, peu importe l'élité. Alors, une fois que l'élite est validé, logique, ça qui dit l'article, c'est que l'été doué entrer en fonction. Maintenant, que l'entrée qu'il n'est pas entré, attendez, oui, que l'entrée qu'il n'est pas entré, c'est pas ça le législateur l'a dit là. Il dit, est-ce que c'est, peu importe l'entrée, il était doué, alors il précise qu'il est doué entrer, oui. Maintenant, il dit immédiatement après la validation du scrutin. Maintenant, bien, une fois que l'entrée est fin validé, il était doué entrer en fonction. Maintenant, alors, pas entrer en fonction. Oui, mais est-ce que c'est, attendez, bon, une seconde, il dit, et son mandat est censé avoir commencé. Donc, peu importe l'entrée en fonction, son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Oubliez, sa partie précédée est censée, en fonction immédiatement après la validation du scrutin. Ah oui. Non, le penchant coquin. Pas bon, sinon. Il n'a pas quitté le président entré en fonction immédiatement. Après validation. Président après validation et mandat. Complet, il a passé. Il se la coulait douce pendant année transition privée. Il n'a pas été environ qu'une question de président entré en fonction immédiatement. Il a pris toute l'aise qu'il y a. Et le président n'est entré en fonction que le 7 février 2017. Ok, bon, bah, juste on va pour vous et sénateur Erivo. Non, je ne suis pas clair, oui, là. On a les, pour vous. Ça veut dire que. Bon, green mot là, qui est le cas. Sénateur Erivo, attendez. Bon, green mot de deux lettres qui tape utile nous en pile si le législateur a été pensé à mettre. Après virgule, le 7 février, quand elle commence le président, s'il te dit, si le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat,
sera. Eh ben il laisse ça si il habite loin en pile là. Mais législateur va mettre si, il va mettre condition. Il dit une fois que validation yo fin valider pouvoir, eh ben il doit entrer en fonction. Il dit le président entre en fonction le présent. C'est-à-dire une fois que validation pouvoir est faite, président il doit entrer en fonction. Maintenant, le président qui t'a organisé l'élection yo, il pas fait sa constitution en disant. Ah! Eh ben oui, c'est ça a à voir avec le président qui a réalisé les élections. Maintenant, c'est pas à ça que se dit souvent que c'est mon loi pays, lui-même ni dit. Oui, mais gardez mon frère, supposé auditoire matin débat, pour qui ça? Il y a douté parce que le président privé est complet. Dans année transition là, et il y a même écouté certains racontants, ma brite sur yo, qui ont dit aller plus loin. Ouais. En sérieux. Ouais. Que de même, il fait 3 ans. Et puis qu'on est après, donc ça veut dire quoi? Bon, là, on va parler de moins sous ça. Il fait 1 an, au lieu que l'été respecté engagement qui était clairement écrit dans l'accord là, pour que les élections soient organisées 90 jours après. Maintenant, il n'y a pas fait. Il fait 1 an. Et puis qu'on y a demandé pour que le président perdu un an à mandat soit en sérieux. Non mais... Ils veulent le beurre de la transition, qu'ils ont déjà gagné. Ils veulent l'argent du beurre, l'argent de la transition. Et maintenant, ils veulent grignoter 1 an du mandat constitutionnel du président Jovenel Moïse. Mais est-ce que nous ne pouvons pas exiger au Estat le président? Lorsqu'on y a un électeur, on va finir par faire une indigestion. Parce que, on finit par faire une transition, le beurre de la transition, l'argent de la transition pendant 1 an, et maintenant, subitement, c'est Moun qui partait monter au créneau pour dénoncer cet état de choses. Voilà. oui, tout mais est, nous t'es élu, nous pouvons aider dans nous élu, nous avons pouvoir, donc nous t'es exiger, ils ont appliqué l'article 2 à la 134.2. Ils ne l'ont pas fait. Mais nous pas exiger. Ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'ils demandent? Ils ne l'ont pas fait pour me contrôler si le président m'a monté. Non, mais c'est le constitution, c'est immédiatement après un final de pouvoir, lui. Mais moun qui peut permettre que valider le rentrer. C'est celui qui était aux commandes. Mais il t'est validé. À cette époque. Pouvoir t'est validé. Le président River. Pouvoir t'est validé. Non. Il a dit que le président élu entre en fonction immédiatement. Après la validation. Eh bien, du scrutin. Question, est-ce que ça s'est passé comme ça? Réponse, c'est non. C'est non. Mais législateur là, monsieur Ivo, la loi, nous pas placé pour nous interpréter la loi. La loi est d'application stricte. Non, on va interpréter non. On dit tout simplement, deuxième partie article dans la 134.2, il vient pas concerner le président Jovenel. Parce que mon transition, étant yo prend 1 an, d'accord? Président Jovenel entré. Le 7 février 2017, eh bien, il n'y a pas gagné concerné par moi que le président Rivière grignoté grâce à une manne que aurait les transitions. Nous n'avons pas empêché ça. Nous n'avons pas empêché ça. Ça veut dire quoi, non? Alors, nous gagnons l'élection, nous valider, nous te doué rentrer, mander pour application et article ça. Mais c'est pas moi qui demande ça. C'est moun qui au commande là. Même Jean t'a demandé. Mais nous va dénoncer le tout. Attendez, oui, Josué. Même Jean t'a mis en commission, tête chatte campée, pour le travail, sous l'élection t'est faite. Okay. D'accord? Président Jovenel, là, tout Jean y'a viré, y'a pogné un rapport, pour dire que bagaille t'es droite et gauche. Le président a accepté d'aller à nouveaux élections. Il a remporté. En 2016. Avec panache. Eh bien, ça gagne. C'est pour te dire, bon, monsieur, on nous court installer président. Oui. Et puis, pour le nombre de mois qu'on fait, pour le t'entrer dans le mandat. Mais nous, là encore, l'appétit de la transition a été beaucoup plus fort. Parce que, il y a eu complet, il y a eu en place. Et puis, qui est le président
Jovenel entré, installé, si me bien songé, m'était dans le Parlement, m'était dans le Palais National, si même moi me passe un défaut, c'était 7 février 2017. Ça veut dire quoi? L'article 134.2, deuxième partie en tout cas, il ne concerne le président, non. Il vient tomber automatiquement, ce qui clôt catégoriquement les débats. Bon, les, en tout cas. Bon, au moins, on va aller plus loin, je suis. Pendant qu'on y est. C'est occasion pour nous dire tout, mon frère. Ouais. Pour que même. N'a pas tout conclu, sénateur. Eh bien, d'accord. Pour que même discussion ne soit pas faite en 2024. D'accord? Pour ne pas faire en 2025. Alors, au-dessus 2024, ça veut dire... Oui! 2021 et 2024, après 5 ans. Lorsque le successeur du président Jovenel a monté le 7 février 2022, Un président qui va sortir des urnes, c'est important, oui, pour me dire pas ça. Et bien, en transition, non, pour même si bagarre va faire, d'accord. Ouais. Son président qui a sorti des urnes... Qui l'en a fait élection? Qui l'en a fait élection? De toute façon, et ça, je le dis haut et fort, de manière péremptoire. À bien élection en Haïti, président Jovenel Moïse a fait. Dans quelle année? Au cours et pratiquement de l'année 2021. Ok. Ah oui, mon frère. Ok. Il y aura des élections. Il doit y avoir des élections. C'est beaucoup plus rassurant. Il y aura. Eh oui, il doit, écoutez, même Amzou, 7 février 2022, mon président qui a sorti des urnes, qui a installé dans le palais national, et c'est tant mieux pour le pays, nous, tant mieux pour la démocratie. Okay. L'autre bagaille encore, en nous honnête, il y en a avec l'autre. Mon transition, hein, Josué le Clidor, il doit disparaître définitivement du jargon politique en Haïti. Pour ce faire, il faut que l'élection soit faite à temps. Voilà. Il y a des règles pour accéder au pouvoir. Il y a des troisièmes moyens pour occuper le fauteuil présidentiel. Que n'est qu'un peu politique ici qui s'est tout petit l'esprit coquin. Ouais, dans coquin, qui ça reprend. Il n'y a pas d'argument pour soutenir thèse, tête chatura, bracadabra, tu vois. Oui, non, je vais te copier. Eh bien, que yon prenne élection, et pendant ma tout ça, nous constatons que gagnent des citoyens, Josué le Clidor, qui sont déjà très actifs. Souterrain. Qui commencent. Ah oui, ils sont très actifs et je dis bravo. PHT Cabaret? Ah, mais c'est sûr. Okay. Maintenant, je ne connais qui, moun, ni comment, parce qu'il faut qu'on ait une rencontre qui fait tout ça dans PHTK. Mais moi, quel que soit le secteur politique m'appartenir, jamais je ne peux supporter logique, lâcher mon yon, coup d'État, ni transition. Il va falloir que Négicide apprenne à respecter les règles démocratiques là, pour que nous entrions dans une dynamique d'alternance politique de coup ça peut être la fin domaine et dans toute société démocratique. Et le savoir pour Josué, en 2022, en 2024 ou 2025, pas avoir une discussion pour dire mandat au président, pas avoir vin après président Jovenel là. Faut tout résoudre ça. N'a tout résoudre ça. Il doit finir en 2027. 5 ans après son installation le 7 février 2022. Ok. En tout cas, merci un pile, docteur Rivo, et au bout de vraiment un pile éclaircissement sur un pile dossier, notamment COVID-19, population, tu prends note et deux interventions dans l'émission Matin Débat pour jeudi, mardi, qui c'est 2 juin 2020.